très proche, le maître, le tuteur. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. Le croyant a un seul vrai ami dans ce monde et dans l'au-delà. Cet ami ne l'abandonnera jamais du jour de sa naissance à celui de sa mort dans ce monde et dans l'autre. Il le protège contre ses ennemis. Il donne généreusement sans rien attendre en retour. Il est le plus digne d'allégeance. Cet ami incomparable, c'est Allah, le plus digne de confiance, le plus proche de ceux qui croient en lui. Il protège ceux qui le craignent contre leurs faiblesses et leurs égarements et leur offre une vie meilleure ainsi qu'un bonheur éternel dans l'au-delà. Les inconscients passent leur temps et leur existence à la recherche d'hypothétiques personnes riches, capables de les secourir ou encore suffisamment puissantes pour résoudre leurs problèmes, personnes sur lesquelles ils vont fonder toute leur confiance et leurs vains espoirs. Mais de tels agissements leur font oublier Allah, notre Créateur, le Tout-Puissant,